Alors, bonjour tout le monde, ici Danny Murray pour un autre petit cours de bourse. Aujourd'hui, petite chose importante qu'on va regarder, c'est le graphique typique d'un pump and dump. Donc, on va regarder ça ensemble. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Danny Murray. Veuillez vous abonner le plus tôt possible, puisque, évidemment, dans ma formation, vous allez apprendre comment faire des millions à la bourse avec un petit capital. Donc, si ça vous intéresse, évidemment, abonnez-vous. On regarde cela. Et puis, on a ici un graphique. Peu importe, ça n'a pas d'importance quelle est l'action. Mais on voit qu'il n'y a presque pas de volume. Chaque petite barre équivaut à une journée. Donc, si on voit là, des fois, il y a des points. Donc, il y a une transaction dans la journée. Il se passe absolument rien sur ce stock-là. Pendant ce temps, les promoteurs vont accumuler des actions, même si ce n'est pas beaucoup pour l'instant et tout ça, et éventuellement vont commencer à faire monter l'action. Donc, si on regarde, ils font monter un petit peu l'action, ils accumulent à travers tout ça. C'est peut-être déjà justement de la promotion faite par un promoteur et on va se stabiliser à un certain moment. On voit ça ensuite de cela. Bon, on a déjà monté beaucoup et tout ça. On va peut-être prendre position éventuellement, mais pour l'instant, on regarde ça aller. Je vais vous montrer c'est quoi exactement le graphique pur et simple, typique, que l'on voit fois après fois. Si vous voyez un graphique comme je vais vous montrer à l'instant, sachez que vous êtes dans un pump and dump. Donc, vous pouvez en profiter, mais éventuellement, il va falloir vendre. Donc, on regarde ça avancer. Et voilà le pump and dump. C'est le graphique pur et simple et typique d'un pump and dump. Il n'y a rien de plus classique que ça. On voit ici aucun volume. On voit ici accumulation de stock. Ici, qu'est-ce qui se passe? Peu importe, il y a de l'accumulation des gens qui achètent et il y a des nouveaux volumes qui n'existaient pas avant. On se stabilise et ensuite de ça, c'est certain qu'à ce point-là, on commence à starter la machine à email pour pouvoir faire des profits éventuellement. Donc, chaque barre, comme je vous disais, est une journée. Donc, on monte, on monte, on monte. La barre est rouge, là, mais on est presque en train de monter quand même. On se stabilise, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte. Chaque barre est une journée. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une hausse normale, même si c'est un pump and dump, là, en général, ça se fait en 3, 4 jours, 5 jours gros maximum. Ici, là, on en a quoi, là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 jours en ligne sans arrêt. Donc, la machine à email est partie. Éventuellement, vu que le stock va avoir fait des gros pourcentages de gains, vont tomber dans les médias un peu plus communs. Il va y avoir encore de plus en plus d'investisseurs qui vont acheter des stocks et qui vont faire grimper tout ça. Pendant ce temps, ceux qui ont commencer à accumuler ici, sont en train de vendre avec leur promotion. Donc, ils sont en train de vendre dans toute cette courbe-là. Évidemment, en espérant d'en vendre le plus possible ici. Et en une journée le lendemain, on part de environ 4 $ à 1,38 $. Bon, mettons 40. Donc, on pompe le stock, on dompe. La dompe arrive très, très, très rapidement dans à peu près tous les cas. Donc, il faut absolument être là pour vendre si on est pris d'un pump and dump, puisque regardez, tous les profits qu'on aurait pu faire, on aurait pu acheter n'importe où ici, ça aurait pu être payant quand même, et revendre dans cette fourchette-là. Mais peu importe tout ce qu'on a acheté ici, après 2 jours, un, deux, tout a été reperdu. Donc, c'est le graphique carrément typique à vous rappeler. C'est pas très compliqué à se rappeler. Des graphiques comme ça, là, on en voit très rarement, à part dans les pump and dump. Donc, sachez que voir autant de verre, c'est très douteux.
et qu'il y en a qui sont en train de s'en mettre plein les poches pour éventuellement, justement, ne plus être là et laisser le stock mourir et tomber où il était originellement. Évidemment, ça va redescendre aussi bas où il était à un peu plus long terme. Mais éventuellement, comme je vous disais, chaque pump and dump se fait pomper et on oublie ça après ça. C'est dompé, on est pris dedans, il n'y a plus rien à faire. Espérez pas que ça remonte ou peu importe. Faut vendre avant le dump. Donc, c'était un petit vidéo pour vous montrer c'était quoi le graphique typique. En résumé, le graphique typique, si on le regarde, c'est ça ici. Pas plus compliqué que ça. Grosse promotion avec les emails. On vend, on vend, on vend, on vend. Et ça dompe, final. Et on meurt ensuite. Donc, gardez ce graphique en tête. Rappelez-vous-en. Je vais vous le remontrer sûrement souvent. Et c'est quand même une chose qu'il faut. Qu'on peut en profiter et faire beaucoup de sous avec. Donc, on peut les garder à l'œil, on peut en profiter, on peut les acheter, on peut les transiger. On s'amuse avec ça. Donc, faut être conscient. Mais évidemment, quand on achète, on peut peut-être acheter dans cette région-là, mais on commence plus à acheter ici. Là, ça, c'est trop tard, là. Il n'y a rien à faire là. Là, on n'est pas en train de faire du gambling, là. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aide. Si c'est le cas, évidemment, vous pouvez liker la vidéo, vous abonner à ma chaîne. Et si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez laisser ça dans le petit tableau plus bas. Je vais essayer de répondre à toutes les questions le plus possible. Alors, merci de me suivre et on se reparle très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci et passez une belle journée.